tu poses, c'est que Aziz a raison quelque part, parce que c'est même enseigné dans l'art de la guerre. On ne prend pas l'emprise de l'ennemi. Sauf que dans le cas actuel des choses, cette emprise n'appartient pas de fait, ça appartient de fait à l'ennemi, mais ça n'appartient pas historiquement à l'ennemi. Et donc aujourd'hui, si l'armée malienne s'empresse de rentrer à Kidal, il y a un risque. Et ce risque-là, il est déjà même transformé en action contre le Mali. Quand le CSP-PSD a accusé un drone des FAMA d'avoir bombardé des civils, des femmes et des enfants, ça a été repris textuellement, sans le mettre au conditionnel, par l'ensemble de la presse internationale. Et donc, rappelez-vous en 2014, la mission du premier ministre de l'époque, Moussa Mara, quand Moussa Mara est allé à Kidal, les Maliens, pendant 2 jours, ont qualifié cette visite d'historique, ils l'ont saluée, parce que Moussa Mara...